Autre vidéo bonus, on va voir aujourd'hui comment tirer un objet sans se faire peur et sans faire peur au cheval. Alors surtout, ne pas arriver et tirer directement l'objet derrière le cheval. Pensez qu'il ne l'a jamais vu, le mien ne l'a jamais vu non plus. Pensez à d'abord voilà, lui montrer qu'il y a quelque chose, que déjà vous tenez quelque chose sur le côté. Et au départ, on va juste tourner autour, se rendre compte qu'on tient quelque chose, qu'on peut tourner autour, mais que ça ne va pas nous attaquer. Et au fur et à mesure, on va venir, en gardant le même cercle, c'est moi qui vais venir bouger un petit peu la chose. Voilà, qui commence à s'habituer à voir le plot bouger, là, en l'occurrence. Voilà, mais pas derrière lui. Voilà, d'abord sur le côté. Voilà, qui s'habitue, qui voit que ça ne fait pas peur. Voilà, et au fur et à mesure, on va agrandir un petit peu le cercle. Partir un petit peu plus en ligne droite en faisant bien attention de ne pas venir le coincer juste derrière les postérieurs. C'est la difficulté quand on part en ligne droite, c'est de ne pas avoir une corde trop courte et de venir gêner les postérieurs du cheval, ce qui pourrait lui faire peur aussi. Voilà, une fois que le cheval ne dit rien sur le côté, on peut commencer à partir un petit peu plus en ligne droite. Mon truc pèse une tonne. Et voilà. Ça y est, mon cheval a pas peur.